Ok. Et après, on parle sur moi. Elle était quand même mieux que celle que tu viens de faire. Y'a pas de hockey qui tienne. Elle était mieux. Point. Non mais. Mais je te jure, mais j'en ai marre. Hein. L'humanité, elle est en train de me désespérer. Hein. Mais t'as une ville entière autour de toi. Pourquoi il faut que tu viennes sur moi? Voilà, des balles. Une asso à viseur pour jouer à l'intérieur, c'est trop bien. N'empêche, depuis que j'ai trouvé le bouton esquiver sur le Assassin's Creed, je fais que ça. Esquiver, taper, esquiver, taper. Et quand t'es occupé de te démolir la santé, à te faire chier dans un jeu, tout ça pour avoir des applaudissements. Ouais, je veux des applaudissements. Et alors? Je viens de tomber sur une potion. Juste devant lui, je suis en train de la boire. La grosse potion à 15 secondes. Là, parce qu'on avait les mini popos, les popos, les popos 15-15. Et maintenant, on a les hyper popos. C'est comme les Pokéballs. Les Pokéballs, les Superballs, les Hyperballs, les Masterballs. Tu en avais plein dans les derniers. Alors par contre, tu vas me dire que sur tout l'endroit où j'étais, il y avait vraiment, vraiment zéro pompe. C'est que ça va être compliqué tout ça. On va essayer d'aller voir dans la ville s'il n'y a pas quelqu'un. Mais bon, il aura un pompe. Ça va être un peu plus compliqué du coup. Parce que là-bas, ça sert à rien. Là-bas, il aura forcément quelque chose. C'est déjà un peu plus accessible ici. Ouais, ça a été fouillé, donc il y a quelqu'un encore. Yes! Et je suis tombé sur un con qui sait pas que le canoncier c'est le meilleur pompe du jeu. Mec, à un moment faut mourir, putain! Attends, gros, j'ai. Là, ok, ok, s'il avait de la popo, d'accord, mais 4 coups de pompe quand même! Ouais, faut quand même pas abuser! Je veux bien rire 5 minutes, mais là, faut pas déconner quand même! Là, tu joues avec mes couilles! Tu me casses les couilles, Jean-Louis! Faites chier, je merde. Il donne trop d'inventaire. Hein. Ah, trop de trucs à mettre dans ton inventaire, pardon. Et pas assez de place. Un medikit, 18 000 potions. Parce que c'est rigolo. On va faire confiance à l'assaut bleu. Là, au pont bleu. Truc à ne absolument pas faire sur ce jeu. Faire confiance à un pompe. LOL. Faut vraiment être suicidaire. J'ai un levier sur son doute. Parce qu'il faut que je me casse.
pire, c'est qu'il sait même pas fouiller une ville. Il y a encore une maison pleine là-bas. J'en ai marre. Pourquoi c'est toujours sur moi tous les gens? Il y a mec. C'est bon, je sais comment les gérer, les fils de pute qui sautent partout. Tu en fait, je saute. Non, en fait, je saute et je tire pas. Et une fois qu'ils ont tiré, je reste au sol et je leur saute de... et je leur tire dessus. Ouais, technique un peu bête, mais tant que ça fonctionne, on le fait. Hein. Ça a fonctionné parce qu'en fait, je sautais, je lui tirais pas dessus, il sautait, il me loupait. Et dès que j'étais au sol, j'attendais qu'il ressautait et qu'il était au sol pour lui retirer dessus. Est-ce qu'il va tirer sur toi en l'air? Alors quand il va atterrir, bah t'as juste à pre-shot où est-ce qu'il va atterrir et puis c'est bon. Il se prend un 44 HP et puis toi après tu refais un saut. Faut juste avoir un bon timing. Truc que j'ai pas souvent. Donc c'est compliqué pour moi. Mais j'ai vu, en fait, je voulais fouiller le coffre, du coup que j'ai pas fouillé. je tiens à le dire. Que la zone est pas loin et arrive. En même temps, on va dire, il m'a mis bien un assaut bleu, potion, parce que j'ai bu une potion, j'ai refou une potion sur moi. Vous faisiez non mais alors le drop de potion, il faut l'alléger. Non, sinon tous les ennemis vont dégager du jeu. Mais ils sont capables de jouer. Bon, j'en ai marre de mettre des coups snipe à 150 et de pas one shot le mec. Parce que je suis désolé, mais au tout début. Quand on jouait, on mettait un coup de snipe, on était là oh, parce qu'on avait tué le mec en une balle. Aujourd'hui, tu mets une balle, je fais cool. Pas de riche. Tu mets 20 PV, t'es Non, mais le pire, c'est que maintenant, tu mets un coup de snipe à 150, bah tu vas rusher le mec, il sera re à. Attends, on va dire, même s'il t'a 200 HP, bah il sera re à 100 HP parce qu'il aura déjà pris deux popos d'ici que tu le rushes. Tu vois Et du coup, il va te mettre un bullshit qui va te faire rager. Et qui est pas bon pour la santé. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il prend? J'ai essayé de tuer un mec qui volait au snipe. J'ai de l'espoir. Mais bon, comme on dit, l'espoir fait dur. Tu vas vraiment me rush moi. Attends, tu vas. Ah non, par contre, tu vas pas te soigner, connard. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Tu veux je te dis combien il vient de me mettre? Combien avec ça? Hein? Combien ce fils de pute vient de me mettre? Tu veux savoir? Oui. La somme tout banale de 190 HP. Avec quel arme? Ah, c'était un canon scié, mais faut pas abuser quoi. Je veux bien être gentil, mais à un moment, moi je tire au canon scié, ça fait pas 190 de dégâts. Hein. Et le pire, c'est que ça va, j'ai eu de la chance, j'ai eu en un coup de pompe. Parce que de base, ce fils de pute, je lui avais mis toutes les balles. S'il me butait, je pétais un câble. Parce que je lui avais mis. Ouais, je pourrais même pas dire combien je lui ai mis, tellement je lui ai mis du gros en dégâts. Non, tout est rechargé. Pas la scarache.
James Carrage. J'ai vu qu'il m'avait mis 190, par contre je t'avoue j'étais pas serein à l'intérieur. Je me disais il sort n'importe quelle arme, il one shot. Normal, hein. Gros, il te met 180. Le pire c'est que j'ai sauté dans les airs à partir d'un escalier qui lui était au sol et qu'il a réussi quand même à me mettre un headshot alors que j'étais bah, au-dessus de lui, donc à moins que la balle a traversé mon trou du cul jusqu'à ma tête, je ne comprends pas. Éclairer ma lanterne. Ok, là c'est clairement ce qui vient de se passer. Hein. La balle a traversé mon cul pour aller jusqu'à ma tête. Hein. Ah, peut-être une balle dans le fion, ça fait plus mal. Tu sais que quand tu parles, c'est tellement intéressant. Oui. Ah, ça parle de merde. J'ai plus de place pour de la popo et j'ai pas envie de laver ça. Il y a un mec sur deux skis. Ah. Oh non mais le timing au snipe j'en ai marre. Bon, bonjour, bienvenue. Non mais j'ai sa tête là. Hop là, headshot. Voilà. Mieux quand ça se passe comme ça. Mika, ton plus gros défaut, on rush pas sur le loot tout de suite. Il y a toujours des gens tout près. Bon mais là j'ai besoin de ressources. J'ai pas le choix de rush. Sniper bleu, je m'en fous, j'aime bien. J'ai un sniper violet, j'ai deux pompes tactiques vert. Je vais mettre un headshot magnifique, alors le karma il dans pas longtemps il va me dire ah non désolé, c'est un headshot par partie et un kill comme ça par partie. Là, je vais me prendre une balle de snipe par un mec qui est peut-être derrière moi. Ah dès que j'ai une scage gros je deviens pessimiste de ouf parce que de toute façon il va forcément m'arriver un truc de ouf. Mais ça sera pas pour moi le truc de ouf. Ça sera contre moi. Par contre, je tue un nombre de mecs incalculable. J'ai un total de 310 ressources. Tout cumulé, hein, je précise. Genre bois plus gris plus oui plus exactement ça. Il faudrait que je tue un mec genre qui a fait 45 kills et puis qui m'en mette bien. Donc c'est que le prochain mec que je vais voir il va me mettre un coup de snipe. Je vais pas comprendre.
Genre le mec qui peut prendre une voiture par là. C'est pas que je fais pas confiance en moi, hein. Mais les ennemis sont toujours plus puissants. J'ai horreur des combats de triso. Ça vient de m'arriver, j'ai horreur de ça. Un fils de pute qui vient sous ma base et qui me balance des tonnes et des tonnes d'explosifs. Bonjour, j'ai bien compris qu'il y avait quelqu'un pas loin. Dis-moi pas qu'il est à l'intérieur. Parce que alors là, je m'insulte. Oh, en plus, il met bien ce bâtard. Bingo! Voilà, voilà, il va me tuer parce qu'il arrive à péter mes construits. Oh! Il y a un snipe qui vient de lui mettre une balle à lui. Bon bah, c'est très simple. Ah tiens, j'ai vu dans DB Super, il y a une nouvelle cyborg. Peut-être. Franchement, là, je peux pas te dire. Si, si, une meuf avec la peau rose. Ah, il m'aurait fallu un medikit là. Je prends une balle de snipe, je suis mort. Et il faut absolument quelqu'un qui me rush avec sérieux toi par contre? Je l'ai vraiment loupé. Je suis vraiment une merde à ce point. Putain, je suis tellement stressé parce que j'ai pas beaucoup d'HP qui met une balle de snipe que je suis mort que. Hop. C'était un shot que j'apprécie. Il y a du soin. Il y a du soin surtout. T'as forcément du soin, oui. J'ai 7 kills gros, je suis top 5.
Ça ne va pas se passer comme prévu, je pense. C'est impossible que ça se passe comme je l'ai prévu. Bah ouais, gros, je vais te laisser, on va aller coucher. Ouais, bah bonne nuit. Et ça marche. Ouais, bonne nuit. Ciao. Ciao. Évidemment, c'est ce fils de pute Kezone. Sérieux là. Mais c'est quoi ce Bambi ?